Coucou bande d'aventuriers, c'est Biclous pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Spirit Track. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai chaud sa mère, j'ai putain de chaud. Ah oui, parce que là en ce moment c'est la canicule. Et je souffre. Donc dans le dernier épisode, Zelda nous avait dirigé, on avait retrouvé Zelda sous sa forme fantôme. Elle nous a dirigé vers l'extérieur, le derrière du château d'Hyrule, pour accéder à la tour des dieux. Et puis voilà, hein, et on a accédé à l'épée, hein, qui est évidemment cruciale dans Zelda. Mais de plus, nous étions arrêtés à un passage secret. Qui est par ici. Ta gueule. Attends, si je te lance ça dessus. Je l'ai eu à coup de pierre. Alors, je sais pas si niveau graphique ça lag moins. Mais moi j'ai l'impression que ça lag moins. Voilà. Parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon pilote graphique, j'ai dû le retirer. Alors j'ai eu très peur d'avoir un black screen et devoir aller dans le BIOS et tout le bordel, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà. Et ne téléchargez pas Nvidia GeForce Experience, c'est de la merde. Voilà, j'ai déjà dit. Grotte de la tour. J'avais lu crotte. Ah, t'es gamin. Bon, allez. Il fait sombre et humide ici. Oh, humide. Oh, putain. Parlez pas de froid, parce que là, avec la chaleur, je cherche le froid. Ce n'est pas un endroit pour une personne de mon rang. Ah, désolé, ce n'est pas le moment de dire ça. Allons-y, Biclous. Putain, la meuf, elle pète plus haut que son cul, elle veut pas être là. Moi, j'ai envie de dire... C'est pas mal, ça me rappelle un truc. Ta gueule ! T'es moche ! Voilà. Putain, y'en a un qui a pas de drop de rubis, quoi. Ah, faut une clé. Enfin. Ça y est, là, on entre vraiment dans l'aventure. What ? Ah, c'est les basiques, quoi. Wow. Damn Daniel. D'accord. Oui, c'est les basiques. C'est pour dire... ouais, vas-y. Ouais, c'est vrai. Réellement, les basiques. Par contre, ça lag toujours autant quand ça fait... Touche un bloc pour le saisir. Hein. Puis touche les flèches qui apparaissent pour le déplacer. Ah. Souvenir. Voilà. En fait, l'image ça va, mais c'est le son qui lag. J'ai cette impression. Comme je suis assez sensible des oreilles, l'image je m'en fous un peu. Mais non, pas par là, Link, tu fais de la merde. Mais le son, non, ça me gêne un petit peu. Après, je sais pas vous. Mais... Donc voilà, c'est tout con, faut aller mettre le bloc sur l'interrupteur. Voilà, faut pas tortiller du cul pour chier droit. Mais non! Voilà. Ah, ça fait bizarre, ça souffle sans la cinématique. Je vais aller regarder par là parce qu'il y a un grand terrain vague. Et... sans rien dessus. Ah, zuzu. Ah, c'est vraiment lent. Hein. Vous obtenez une petite clé, elle vous permet d'ouvrir une porte verrouillée. Ok. Voilà, vous m'excuserez, je réponds à des petits messages. Voilà, elle ne peut que servir qu'une fois. Ouais, bah c'est pour ouvrir la porte qu'elle a. Ça a l'air con. Ouais, niveau image, ça va. Mais c'est au niveau du son. Ça lague. Pas très gênant non plus, mais bon. Install. Wow. Commence. Si tu ne frappes pas les interrupteurs dans l'ordre, la porte restera close. Ok, il y a des interrupteurs à taper dans l'ordre. Hop. Alors. Après l'interrupteur du bas, frappe celui de gauche. Oh. L'énigme de merde. Après celui du bas, celui de gauche. Ok, donc ça va être bas gauche. Avant l'interrupteur du bas, ça frappe celui du haut. Donc ça va faire haut, bas, gauche. Ok.
Avant l'interrupteur du haut, frappe celui de droite. Donc ça va faire droite, haut, bas, gauche. Ouah, il y a un petit coffre. Ouah, trop bien. Donc droite, haut, bas, gauche. Ah putain, il va en falloir deux. Allez, pète. C'est un peu long hein, à péter. J'ai l'impression. Donc on avait dit droite, haut, bas, gauche. Donc droite, haut, bas, gauche. Voilà. Ça, c'est la base. C'est the base. Drop the base. Ah, mais... Ils me font chier, ces petites marmottes, là. Ah, mais je spam, mais j'ai du mal. Ah, allez, ça remonte. Oh, merde! Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je suis AFK et je fais des conneries. Regardez, je suis à midlife. Mais arrête de me donner des rubis, donne-moi un cœur. Oh putain. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'elle fout? Tu n'as pas entendu un drôle de bruit, Vicluse? Bah si. Ah, c'est des rats. Puis elle a peur des rats, je parie. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est répugnant. Attends, je suis midlife. Voilà, il m'a drop un cœur. Ah, merci. Je n'imaginais pas que des monstres si terrifiants pouvaient exister. Je ne veux plus jamais en voir de ma vie. Ah, la meuf, elle est vraiment... cucu pralinou, quoi. Ah. Voilà. Et ça remonte. Oh. Putain, mais elle est à horizontale. Ah ouais, je me rappelais plus qu'elle était en lévitation. C'est bizarre tout de même. Eh. Ah, et puis la base n'est pas en lévitation. D'accord. Ah, ça serait bizarre quand même. Mais il doit avoir un sous-sol, du coup. Si dans l'histoire du début, on avait vu que le démon était enfermé à l'intérieur. Ouh! Petit coup de barre, moi. Oh! Oh, quelle est cette locomotive? C'est la locomotive des dieux, offerte par les êtres vivants dans les cieux. Ah, vous pouvez m'entendre. Oh, hey, wait. Êtes-vous... le sage? Bon, on va prendre une autre voix. Je dirais une sage. Je ne pense pas qu'on puisse m'appeler sage. Je suis Bicelle, la vieille femme de la tour des dieux. Ah voilà, femme, je l'ai bien dit. C'est formidable, dame Bicelle, je dois vous parler. Puis la meuf, c'est une locomotive, quoi. Au calme. Je vois. Et c'est ainsi que tu es devenu un fantôme. Ah ouais, ils se racontent leur vie, en fait.
Je ne vous permets pas de me traiter de fantôme. Bah si, un peu quand même. Ah, bon sang ne saurait mentir. Tu es aussi fier que ton arrière-arrière-grand-mère. Comment vous connaissez mon aïeul? Oui, j'ai rencontré Tetra. Wow! Oh! Wow! Drama! Drama, 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 drama! Ok, j'ai compris. Alors, j'avais. Putain, Google ta gueule! J'ai compris. En fait, Spirit Track se passe des années après Phantom Hourglass. Donc, le Link qui est là. C'est un arrière-arrière-arrière petit-fils du Link de The Wind Waker et de Phantom Hourglass. Ok, sachant que dans The Wind Waker, c'est Tetra qui devient la princesse Zelda. Après, à la fin, elle se fait libérer par je ne sais quel démon. Je sais pas, j'ai pas trop joué, je connais vaguement l'histoire. Mais The Phantom Hourglass, elle se fait enlever. Et du coup, c'est une très grande importance vu qu'elle détient. En fait, c'est la princesse Zelda, du coup. Et du coup, Tetra, c'est l'arrière-arrière-grand-mère de cette Zelda-là. En fait, elle s'appelle toute Zelda, comme ça, c'est pas. Y'a pas à chier. Ok. Puis elle l'a vue. C'était le jour où elle arriva sur ces terres. J'essaie de prendre une voix de vieille. Elle fut un rayon de soleil dans nos vies monotones. Mon aïeul a découvert ces terres il y a 100 ans. Ah ouais, quand même. À l'époque, elle était encore une femme pirate. Ah bah ouais. Vous vivez dans cette tour depuis tout ce temps? Ne nous éternisons pas sur ces vieilles histoires. Parlons de ces démons qui agissent dans l'ombre. Sais-tu quelle est la fonction de cette tour? Les légendes de nos contrées racontent que jadis les dieux affrontèrent le roi démon. À l'issue d'un âpre combat, ils parvinrent à le vaincre. Puis ils scellèrent son corps dans cette tour. Quatre temples se dressent autour de la tour. Et l'énergie provenant de ces temples renforce le sceau qui retient le roi captif. Je sais pas si c'est la vieille qui parle, je pense. Mais alors, les voies qui reliaient les temples de la tour. Je pense pas que ce soit la vieille qui parle. Oui, elles acheminaient la force des temples jusqu'ici. Et si elle venait à être brisée, la tour perdrait son pouvoir et le sceau disparaîtrait. Le but de ces démons, c'est sans aucun doute de ressusciter Maillard, le roi des bons. Malard, plutôt. Pour l'instant, je peux encore soutenir la tour, mais bientôt le démon sera libéré. Damn, Daniel. Mais cela ne suffira pas à Maillard pour le ressusciter. Il lui faut encore une chose importante. C'est-à-dire... Ouais, brofist. Oui, c'est toi, Zelda. Ah, d'accord. Vous autres êtes originaire d'une terre lointaine. L'antique royaume d'Hyrule. Ah ah. C'est-à-dire que c'est pas l'original. Quoi. Dans sa famille royale se transmet une force sacrée. Seule l'héritière de cette force peut recevoir la puissante âme du roi démon. Waouh. Ces démons ont besoin d'un réceptacle pour accueillir l'âme de Maillard. Et ce réceptacle, c'est ton corps. Eh ben bordel. Non. L'âme du roi démon dans mon corps, mon joli corps. Ah, c'est horrible. Excuserai, je suis à mon téléphone. Il faut l'arrêter. Il faut empêcher la résurrection du roi démon. Ah, tu m'étonnes, elle est furieuse, quoi. Oui, et pour ce faire, voilà comment procéder. Il faut relier les temples à la tour.
Vous devez donc restaurer les voies sacrées. Ton corps se trouve au sommet de cette tour. Il faudra du temps à l'âme du roi démon pour en prendre possession. Il faut que l'énergie des temples regagne la tour. Ainsi, les sceaux retrouveront leur puissance. Putain de bordel de merde. Mais comment s'y prendre? Comment restaurer les voies ferrées? 4 stèles se trouvent aux étages supérieurs. Ce sont les stèles sacrées. Vous devez les trouver. Ces stèles relient les voies du monde entier à la tour. Mais la résurrection du roi démon approche et la tour est remplie de son aura maléfique. Si vous libérez les stèles de la tour, une partie des voies ferrées devrait être restaurée. Montez dans la tour pour trouver la première stèle. Entendu. Ok. Va chercher les stèles qui se trouvent dans la tour. J'ai pas vu le texte d'avant. Le monde est grand, est en grand danger. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai pas vu la bulle d'avant, excusez-moi. Je t'attendrai ici. Tout ce qu'ont toujours fait les princesses. On m'a conté que c'est ce que faisaient mes aïeuls. Tout ira bien, sois brave. Mais la gueule de Zelda, quoi, putain. Elle est complètement folle. Désolé d'interrompre ton émouvant et beau discours, mais monter seul dans cette tour, c'est de la folie. Non seulement elle est truffée de pièges, mais en plus, elle est infestée de monstres. Bordel de merde. Ah, vraiment? Dans ce cas, Dame Bicelle, pourriez-vous guider Biclouse? Elle est sur roulette, la vieille. Cette tour est soutenue par mon seul pouvoir. Tu l'as déjà oublié? Pour l'instant, je ne peux pas bouger d'ici. C'est ennuyeux, que faire? Nous pourrions aller chercher Gasto. Lol. Ah, mais il est blessé. Les gardes, James, tout le monde. Mais le temps presse. Ouais, en effet, ouais. Et si tu y allais, toi? Ah bah ouais, dans ta gueule, allez. Putain. Sérieusement. Moi? Je suis la dirigeante de ce royaume. Je n'ai aucune force physique, surtout dans l'état où je me trouve en ce moment. Je ne lui serai d'aucune aide. Mais si. Tu l'as dit toi-même, le monde est en grand danger. Tu dois pouvoir l'aider, ne serait-ce qu'un peu. Ah non, c'est la vieille qui parle. Merde! Très bien. Je t'accompagne, Biclouse. Ah bah, bordel. Allez, encore un monde à sauver. What? Oula. Wow, tour des dieux. Et du coup, la locomotive qui est là, je peux la conduire. On la conduira sûrement dans un prochain épisode, les amis. Sur ce, je vous fais de gros poutous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cet épisode vous a plu. Et si vous en voulez, si vous voulez en voir plus, partagez la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, blablabla. Donc Twitter, Facebook, ajoutez-moi sur Steam si vous voulez, hein, moi ça me gêne pas du tout. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, passez de bonnes vacances, passez un bon été, profitez du soleil tant qu'il est là. Et puis voilà, allez, gros bisous, salut.